Bonjour à tous et bienvenue dans le live. En cette période de folle journée, un vent de musique classique va souffler sur notre plateau. Une flûte, un basson, un hautbois, une clarinette et un cor. On a le plaisir de recevoir le quintet avant. Nominoé, ces cinq musiciens se réapproprient les grandes pièces du répertoire classique et bien plus encore. Ils nous en font la démonstration tout de suite avec deux extraits du célèbre ballet de Tchaïkovski, Casse-noisette. On écoute le quintet Nominoé. La danse des mirlitons et la danse de la fée dragée, extraite du ballet Casse-noisette de Tchaïkovski, interprétée par le quintet Nominoé. Quel plaisir d'entendre ce répertoire sur le plateau du live. On va remercier tous les musiciens présents, la flûtiste Galina Dojchinova, le hautboïste Christophe Patrix, le bassoniste Philippe Pia, le corniste, c'est ainsi qu'on désigne un joueur de cor, Bruno Hiron, et enfin la clarinette, Yves Sévère. Bienvenue à vous sur notre plateau et merci d'être là. Merci. Alors Yves Sévère, c'est à vous que je vais m'adresser. Le quintet avant, parlons un peu de cette forme musicale qui est née au 19e siècle. On y retrouve toujours les mêmes instruments? Oui. Absolument. Le quintet avant, c'est vraiment une formation dédiée, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor.
voilà, qui a évolué, bien sûr, dans la deuxième partie du 19e siècle, surtout depuis, en fait, l'apparition du clétage. C'est vraiment, c'est tout ce qui est doré, c'est tout ce qui fait très, très joli. Voilà. Les clés, c'est le prolongement des doigts. Et donc, les instruments avant, donc clarinette, flûte, hautbois et basson, pouvaient tout d'un coup rivaliser de virtuosité avec les cordes. C'est vrai que le quatuor à cordes, qui est un petit peu la formation rivale, on peut dire, du quintet avant, date de Haydn, c'est-à-dire du 18e siècle, début 18e siècle. Donc nous, notre essor, enfin l'essor du quintet avant, c'est plutôt le 19e siècle et même véritablement le 20e siècle, avec un engouement des compositeurs. On peut citer Hindemith, Stockhausen, Berlioz et d'autres. Il y a tout un répertoire qui s'est constitué autour de cette formule musicale, mais vous avez voulu en sortir un peu, vous détacher de ce répertoire-là. Absolument, absolument, tout à fait. Et ça, on a la chance d'avoir dans notre ensemble un compositeur, Christophe, qui donc transcrit les œuvres symphoniques ou des opéras pour nous permettre de nous glisser dans les thématiques qui nous sont proposées. C'est le cas de la Folle Journée, par exemple, donc sur la danse, mais pas que, puisque en septembre, en général, tous les mois de septembre sont dédiés aux présentations des ballets et des opéras qui sont diffusés en salle de cinéma, où on joue donc des extraits que l'on présente d'ailleurs oralement et que l'on joue bien sûr. Et ça a toujours une très bonne écoute. On va lui poser une petite question à votre oboïste Christophe, parce que là on vient d'entendre une pièce musicale qui normalement à l'origine a été composée pour 60 musiciens. Vous êtes 5. Comment est-ce que vous faites pour retranscrire ces grandes pièces ? Ah, ça, c'est un travail d'arrangeur, de réducteur pour le coup. On passe, c'est vrai, de 70 instruments à la 5. Mais après, la musique, jusqu'au XXe siècle, et les lignes musicales sont assez simples. On a une, deux mélodies avec l'accompagnement. Donc la réduction se fait bien. Le plus difficile, c'est de bien répartir finalement les mélodies et l'accompagnement de manière à ce que l'ensemble sonne homogène et soit aussi dynamique qu'un orchestre symphonique. Mais la réduction en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus, pour un arrangeur, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire quand on part de deux lignes musicales, de deux voix, où on doit en faire pour cinq, voire plus. Eh bien, on va avoir un autre exemple d'une retranscription avec un nouveau morceau, La danse des heures, composé par l'Italien Ponchielli. Je vous laisse retrouver vos partitions, messieurs, dames, le temps d'annoncer qu'il y aura un album, une compilation qui sera prévue en 2018 du quintet Nominoé. En attendant, le quintet est avec nous. On les écoute avec La danse des heures. Thank you.
Thank you.